J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac pour aller à la compétition en Espagne à la Figueras Cup. Donc ce vendredi 27 septembre je vais partir en Espagne à Figueras et la compétition s'appelle Figueras Cup. La compétition dure 2 jours, le samedi et le dimanche. Moi je passe le dimanche avec mes routines, corde, ballon et massue. Donc ça va être la première fois que je vais faire massue. J'espère que ça va bien se passer. Donc moi je suis plus ou moins prête. Il y a quelques trucs que j'arrive pas encore très bien, vu que c'est des nouvelles routines que j'ai fait cet été. Donc comme certains l'ont vu sur Instagram, j'ai quitté mon club Bruxelles GR pour des raisons personnelles. Donc je suis un peu triste parce que mes amis me manquent. Mais bien sûr, je n'arrête pas la vie. Et pour cette compétition aussi, je pars avec les filles de Romain GR. Maintenant, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dans ce petit sac vu qu'on part 4 jours. J'espère que tout va rentrer là. Je voulais aussi vous montrer mon nouveau sac que j'ai fait personnaliser, que j'ai commandé en France, que j'ai reçu cette semaine. Donc là, il y a écrit Romain GR avec mon état. Là, c'est parti. Donc d'abord, je vais mettre tout ce qui est pour la compétition, donc mes massues, qui font souffle comme vous. Mon ballon qui prend beaucoup de place dans le sac. Donc j'ai pris le minimum, mes genouillères et ma corde. C'est la petite projet de pastorelle. J'ai pris une brosse, mon petit tissu pour m'essuyer les mains avant de passer. Donc c'est celui-là que j'avais reçu au championnat de Belgique. En 2007, j'avais été championne de Belgique. Ballon parce que souvent mes mains sont moites. Les petits shampoings, donc on a pris tout ce qui est petit vu que dans la main on pas niquer. Ma petite pochette avec mon maquillage, donc là j'ai des pinceaux, le mascara et j'ai aussi des filets, les pinces pour le chignon. Et ma crème pour essentielle pour les muscles et les tendons. Donc voilà pour tout ce qui est les engins de compétition. Et maintenant on va passer aux tenues. Donc j'ai pris un petit gilet pour au cas où il fait un peu froid. Faut que je trouve des techniques pour que ça rentre. Un legging, donc c'est un tout simple noir comme ça. J'ai aussi pris une petite tunique, voilà, avec un petit voile pour faire un petit 10 minutes challenge si on a le temps à la plage. J'ai pris un maillot, donc j'ai pris un bikini avec des petites fleurs. Puis après, je vais vous montrer les tenues. Donc, j'ai pris un petit t-shirt rouge avec encore des petites fleurs. Ah oui, et j'espère qu'il va faire chaud en Espagne. Moi, on pourra aller dans la piscine. J'ai pris un petit short en jeans. Donc, j'ai regardé la météo et normalement, ils annoncent 25 degrés. Puis après, j'ai mon petit t-shirt de blogueuse. Un petit short en jeans parce que j'aime beaucoup les shorts en jeans. Ça sert à un clair, un plus clair que l'autre. Et puis j'ai un petit t-shirt large avec des crayons de couleur. Donc ça c'est un de mes t-shirts préférés. J'ai rempli le devant et je vais mettre le petit t-shirt avec le petit short en jeans, trop avec le petit bonheur.
un petit légume que je vais mettre pour aller à l'aéroport. Donc ça, je vais pas mettre dans le sac. Avec le petit pull. Bien rentré, je suis contente. Ah oui, et j'avais oublié les tuniques. J'ai dû vendre des tuniques vu qu'elles étaient trop petites et j'en cherche des nouvelles. Donc je vais regarder en Espagne si on n'a pas des belles. Et normalement, j'en ai commandé une qui devrait bientôt arriver. Et bien sûr, la dernière petite chose, ma clé USB, au cas où il y aura un problème avec ma musique à la présentation. Donc voilà, je vais encore ajouter quelques petites choses en 20 minutes. Comme mon pyjama, ma trousse de toilette, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée. Surveillez bien vos notifications pour ne pas rater le vlog de la compétition qui sortira certainement la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bisous!